Là, on est dans les derniers jours de notre traversée entre le Groenland et l'Islande. On voit les côtes de l'Islande. On a été au portant tout le temps jusqu'à présent. Il n'y a que maintenant que ça se gâte un peu, quoi. Faut vite qu'on se mette à l'abri. C'est vachement moins froid au niveau des pieds. On pourrait faire les snobs et dire que c'est moins sauvage et tout ça, mais moi je trouve qu'on gagne vachement confort. Sur notre chemin de retour vers la France, c'est une petite pause en Islande dans la faille de Silfra, qui est une plongée qui est connue dans le monde entier puisque on est sur un site volcanique des failles entre les plaques eurasiatiques et américaines. Et c'est un site où l'eau est extrêmement claire, voilà, il y a 100-200 mètres de visibilité. C'est géologiquement très spécial. Voilà, c'est une expérience qui est unique au monde, je pense. C'est très très froid. Ah ouais? Mais c'est super chouette plongée. Magnifique, ça vaut le coup. Célébrer notre départ, en fait, bah, ils ont organisé une grande fête et un feu d'artifice. Le feu d'artifice est terminé et on s'apprête à partir. On continue notre route retour vers la France. Puisque la fenêtre est là, bah, c'est le moment de partir. Thank you.
So my troubles were all blown away. I'm looking into the mirror and into my eyes, seeing that life ain't telling no lies. Further down the Atlantic. Thank you very much. Thank you. Thank you. You're welcome. Thank you. C'est la fin de l'expédition. On rentre à Concarneau, on est dans le chenal. Et il fait super beau, c'est chouette, c'est une arrivée magnifique. On a tous nos amis qui sont venus là, dans les bateaux nous faire coucou. Je sais qu'il y a plein de copains qui attendent. Je suis ultra ému. Cousins, mes petits cousins, toute la famille. Ouais, ouais. C'est trop bien. Ça fait un an que, plus d'un an que je suis parti, moi, j'ai pas pu revenir. Je suis arrivé ce matin sur le bateau, c'est une impression de deuxième maison en fait. Un petit peu l'impression d'avoir été trop loin de chez soi pendant trop longtemps. Ça m'a fait un peu ça. Superbe les gars! Superbe, la fine équipe! C'est mignon, un autre. Il est mignon, hein. C'est une nouvelle vie pour tout le monde. Tout le monde va vivre un peu ce qu'on vient de vivre ces 2-3 derniers mois avec Chris. Et je leur souhaite, puisque c'est top, de revoir tout le monde et prendre du plaisir. Et vraiment, vraiment, un grand, très, très grand moment de bonheur de les voir. Guilin vient un peu nous voir. Ouais, hein? Énorme. Énorme. Du monde, hein? C'est fort, ouais, c'est bien. Bravo. Bravo. Ça y est, nous revoilà à Concarneau au terme de ces 21 mois d'expédition. Je vous propose un condensé des meilleures images de l'expédition à suivre. Et puis, je vous dis à très bientôt en France et ailleurs sur la route des festivals pour présenter ce qu'on a fait. Et puis, à très bientôt aussi pour la troisième expédition de Nord-Pôle qui décollera dans quelques mois.